Coucou tout le monde. Alors ce soir, je vous fais un petit tuto mandala. Donc je vais utiliser ce Posca-là, qui est un petit Posca 07. Un galet qui est plutôt marron, à la différence de celui-là qui est plutôt gris, en fait. Parce qu'en fait, il faut des galets relativement foncés pour faire des mandalas parce que c'est beaucoup plus sympa. Si les galets sont clairs et qu'on fait un mandala en blanc, bah ça se voit pas du tout. Voilà, donc j'ai choisi un marron. Voilà. Et donc c'est parti. Je vais vous le faire en accéléré. Ça va être plutôt sympa et je vous fais le dessin en entier. Voilà, à tout de suite, bisous! Et voilà, alors j'ai fini mon petit galet mandala, donc inspiration totalement personnelle, avec des petites finitions un petit pointillées. Voilà, j'ai imaginé ça au fil. Alors de temps en temps, je repasse quand même plusieurs fois avec mon petit Posca blanc, parce que, pardon, il est à l'envers, parce qu'évidemment, le blanc des fois est un petit peu plus transparent, donc je passe plusieurs fois. Je l'ai signé derrière, il n'a plus qu'à être verni et il va foncer un petit peu au vernissage, mais il sera très sympa. Voilà, bah, j'espère que ce tuto Mandala Nature vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, pour que je puisse en faire encore plus, être motivée. Voilà, je vous remercie. Bisous à tous, à bientôt. Salut tout le monde.